Ok, il y a une porte rouge, une porte bleue. Parmi les deux, il y en a une qui est bonne, l'autre qui est mauvaise. Je suis avec le frérot Timout. T'es prêt à souffrir? Oui. Aujourd'hui, c'est version Halloween exceptionnelle. Donc on va se chier dessus, logiquement. Ouais, j'ai hâte. Ou alors on va kiffer. Ça dépend. Non, moi j'ai hâte de me chier dessus. Ah ouais? On va devoir choisir entre deux portes qui mènent à deux pièces complètement différentes. Une porte chance ou une porte malheur. C'est quoi, t'es l'invité? Choisis en premier la porte que tu veux, frérot. Ok, moi je vais choisir... Ah, j'ai ce petit stress à chaque fois, là. Ouais. Au début des portes, la première, c'est la plus dure. J'ai une petite boule au ventre, elle commence à monter. Je vais choisir celle de la porte blanche. Non, elle n'existe pas, elle, frérot. Dans le titre, il y a marqué, choisis la bonne porte. Je sais pas quoi choisir. Je vais choisir la bleue. Ok. 1, 2, 3. Pas de bonbon mais un sort. Oh là 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 là. Oh non, je sens que je me suis fait baiser. Oh non, il y a le shaitan. Non, il y a le shaitan. Il y a le shaitan. Mais attends, attends. Ah, oh, regarde ta porte, mec. Pas de bonbons, mais un sort. C'est quoi ton sort? J'avais dit que j'allais passer une journée de merde. Mais non, t'inquiète, c'est cool, c'est chill. Bon, bah, nous, on va se poser. On va manger un petit bonbon. Oh, c'est mamie. C'est bon, tu côté, tu la regardes, elle a un peu. Bah, attends, c'est quoi le but? C'est vraiment, je bouffe des bonbons et je reste assis? Moi. Oui, entrez. Bonjour. Ah, un bonbon. Oh bah il est tout petit ton pot. Donc ils sont radins. Bon attends, bouge pas. Je te mets bien. Hop. Par contre t'as un couteau, tu voulais me tuer avec? Ah ok, je sais pas, tu me fais un peu peur quand même. Voilà, salut. Salam alaikum. La baisse. Non, entrez pas. Bonjour, des bonbons à sort. Tu me laisses deux secondes? Ah, mais j'ai peur qu'ils mettent un truc dans le cul après. Ah, des bonbons à sort là. Des bonbons. Bah ils sont des bonbons, mais j'en veux pas ça. Mais c'est des bonbons, regarde. C'est pas des bonbons ça? Mais frérot, donne-leur des bonbons, frérot, tu fais quoi là? J'ai des bonbons, ah, des regarde! Bonbons, ça! Regarde, j'ai des bonbons! Mais je te dis des bonbons, ça c'est pas des bonbons ça! Mais tu sais des bonbons, regarde! Non! Des bonbons, moi ça! Ah, tiens! Merci! Bah j'ai pas de bonbons! Eh, hey, arrête d'être radin avec les gens au bout d'un moment! J'ai pas de bonbons! Mais t'en as, frère! Ah, c'est des bonbons, ça! Ouais, celui-là, du sang qui coule dans du crâne! Mais bon, tu vas soumettre! Ah, t'auras un sort! Hein. Salut! Oh, tenez les petits bonbons! Attendez, viens de mes! C'est moi! Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Ah, mais c'est trop bien, j'ai l'impression de retomber en enfance! Sauf que c'est l'inverse, c'est pas moi qui vais chercher les bonbons, je donne les bonbons! Donc là, j'ai pris de l'âge, on dirait quand même! Oui, entrez! Entrez! Attends, mais il est où? Oh putain! Bonjour, des bonbons, bonsoir! Bonjour! Tiens, attends, tiens. Bon bah quand t'as compris, tu vas avoir un sort. Mets ça, régale-toi. Oh, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Oh, bah alors mon frérot, tu vas? Bah régale-toi, non, j'ai pas envie de me régaler là. Bah c'est le cas de le dire, hein, tu vas te régaler. Vas-y, je te ramène. Non, mais je vais devoir bouger en plus. Bonbons ou un sort? Bah des bonbons. Attends, je te donne plein, bouge pas. Vas-y, ouvre les mains. J'adorais quand j'étais petit aller chercher les petits bonbons. J'allais avec ma mère, j'avais un petit sac Carrefour, j'en prenais plein. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait en vrai. Vous faites ça en Italie ou pas, Pio? Les gars, encore une fois, derrière la caméra, c'est Pio. Et en Italie, vous faites pas ça? Non. Ah, vous fêtez pas Halloween? Halloween. Ah oui, Halloween en Italie, c'est pas très bon. Parce qu'il faut pas oublier, c'est la fête des morts, les gars. Donc c'est un peu glauque quand même. Hein. Attention, là, il y a les marches. Il y a les marches de quoi là? Ah oui, ouais, j'allais sauter dans le vide quoi en fait. Eh, je vais vous balayer après. Sale bâtard. Ah, mais pourquoi il y a plus personne qui m'accompagne? Alors apparemment tu n'aurais pas donné de bonbons aux enfants? Bah en fait c'est que j'ai pas d'argent. C'est pas une raison. Ok. Je pense que ça fait des années que tu connais la phrase des bonbons ou un sort. Bah ouais. Pourquoi n'as-tu pas donné de bonbons? J'ai pas d'argent. Je m'en fiche. Du coup, un sort? Bah ouais. Hein. Je vais donc te concocter une superbe potion. Et peut-être que cette fois, pour la prochaine fois, tu retiendras que ce sera des bonbons ou un sort. Enfin si tu survis. Ah. Pas ouf l'info. Oui, entrez. Oh, tiens des bonbons. Okay. On commence avec du sang de gnome. Ok, un peu de pisse de canard. Du pipi d'araignée. Super. Il manquerait plus que du sperme de cheval et on est bon. Oui, entrez. Des bonbons à ça. Ben, des bonbons, frérot. Bon, les gars, je peux me poser ou pas? Tout à l'heure, je vais vous parler. J'en profite, les gars, pour me poser pour vous dire abonnez-vous à cette chaîne, les gars. Go le million d'abonnés. Faut qu'on soit parmi les meilleurs sur YouTube, les frérots. Ça va être grâce à vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne. On est actuellement à 220 000 abonnés. Je compte sur vous pour atteindre vite les 300 000 abonnés. Et les 500 000 abonnés, ça va être une dinguerie, les gars. Il en est où, Timon, là? Qu'est-ce qu'il fout? Il est parti où? De la poudre de poils de sanglier. Excusez-moi, mais on dirait plus de la qu'autre chose, hein. Pas que je fasse ouf. Je suis en train d'énerver, laisse tomber, je vais mourir. Pour terminer, du sang de scorpion. Allez, un peu de ponche.
Si j'étais toi, je serais pas trop malin. Ah, qu'est-ce que ça sent? Ça sent la vinaigrette. J'entends des... Wesh. Il vole des bonbons par terre, regarde. Bon, après, les gars, vous pouvez ouvrir la porte. Hein. Tenez, prenez tout. Ah, attendez. Non, tenez. Vous êtes affamé, ça fait combien de temps que vous avez pas mangé? Bah, j'ai plus rien à vous donner. Non, il n'y en a plus, j'ai plus rien. T'en veux encore? Non, c'est bon, c'est dégueulasse. Tu mouriras dans les 48 heures. Vas-y, moi je me casse. Je vais passer à la deuxième porte. Le cœur est rouge en ouvrant la porte. J'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. Deuxième porte, c'est parti, mon ref. Cette fois-ci, je choisis. Vas-y, je te laisse choisir en premier, chef. Déjà, premièrement. Ah, j'en ai au fond de la gorge. Ah, il en a dans la gorge, c'est dégueulasse. Un volant. Ah, pourquoi t'as ouvert la bouche aussi, mon ref? Ah, il me l'a mis dans la gorge. C'est horrible. Pierre feuille ciseaux, celui qui gagne prend la bleue. Allez, comme ça, je choisis pas, j'ai pas envie de choisir. Bah, la bleue, du coup. Allez, t'inquiète, ça va le faire. T'es prêt? Allez, ouais. Un, deux... Stop. Attends, pour la roue, je dois te mettre un peu en matériel, là. Ah, ça veut tout dire. Alors, la dernière fois que j'ai eu ce bandeau, j'ai bu de la pisse. Attends, j'ai tout un truc à te mettre. Ah ouais? Cool. Vas-y. Ouais. Oh, putain, c'est quoi cette... Oh, putain. C'est quoi, ça? Hein, mais j'étais un truc de taser. Ouais. Mais pourquoi je suis en l'air? Regarde, ça, c'est un truc pour une laisse de chien, ça. Moi, je suis pas un chien. Attends, vas-y. Hop. Ah. Attends, par contre, j'ai un truc à te dire quand même. Ouais. Tu m'as invité pour un tournage spécial Halloween. Pourquoi j'ai l'impression que je vais tomber une scène de cul, là? En tout cas, je sens que tu vas être dans la merde, mon ref. C'est tout ce que j'ai à te dire. Allez, 1, 2, 3. Ouh là, je sens que j'ai la bonne porte. Hé, hey, pourquoi je fais une scène de cul? Bonjour, on va jouer à un jeu. Le mécanisme qui est autour de ton cou sert à t'électrocuter. Comme tu as pu le remarquer, tu es dans une salle de bain où un crime a eu lieu. Il faudra que tu trouves les indices cachés dans cette salle. Ces indices te serviront à trouver un code qui ouvrira la boîte derrière toi. Une fois la boîte ouverte, tu pourras t'échapper. Tu as 10 minutes. Ou sinon, tu mourras. C'est un escape game de la mort. Mais attends, faut que je me dépêche. Mais j'ai les mains mûres. Oh, c'est dégueulasse. Attends, il y a un truc là. Ah, oh, ça fait pipi. Mais c'est pas possible. Attends, mais wesh. J'ai 10 minutes, frère. C'est trop petit. Ok, j'ai un 1. Donc moi, j'ai un flingue. J'ai une petite télécommande. Je pense que c'est relié à un truc qu'il a sur le cou. Ok, j'ai quoi d'autre? J'ai le masque. Attends, je vais mettre le masque. Maintenant, là, faut chercher. Toi, tu me dis pas un truc, toi? Non, il dit rien, lui. Bah, là, il y a encore un 1. Ah, mais non. Attends, mais wesh, faut que je me dépêche. Il reste 10 minutes. Il y a bien un CD où va y avoir quelque chose. Là, je vais lui faire un petit bruit sur le... La télécommande. J'appuie sur le bouton. Hé, tu te calmes. Tu te calmes. Ok. Attends, parce qu'il y a des trucs. Il est 13h05. C'est 1-5. Il y a 4 chiffres. Il me manque un chiffre. On va faire un petit oui ni non. S'il dit oui ou non, on va commencer juste par vibration. C'est gentil. J'enlève le masque parce que là, je me prends trop au jeu. Timoth, ça va? Pas ouf. J'ai l'impression que j'ai tué quelqu'un. T'as tué quelqu'un? Non, j'ai l'impression. Ah, ok. Ça va? Bah ça vibre. Ah merde, bah dommage. Attends, peut-être que si je mets le masque, ça va marcher? Il est mort. Mais pourquoi il y a un crâne? Il y a des trucs peut-être. Ah mais l'eau elle est chaude. Ah le truc il est chaud, ça me dég. On va commencer très bas les gars. Ok, tous. C'est prêt. Ah sale bâtard, va. Dépêche-toi de sortir de la pièce là, dépêche-toi. Mais oui, mais là c'est 1-5. Là mais non, ça sert à rien, mais j'ai rien. C'est trop bien. Frérot, est-ce que tu pourrais faire ouf ouf? Ouf ouf. Ah, c'est bien. Merci, tu gères. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre dans la pièce là? Rien, en fait j'ai vu ça pour m'amuser, c'est mon seul divertissement. J'ai l'impression d'être un gros chien. Mais putain, y'a rien qui marche là. Je sais même pas comment ça marche. Ça marche pas, là y'a rien. Mais je suis une merde ou quoi? Ok, je vais mettre un petit coup de jeu en plus. Attention, 3, 2, 1. Ah, ça... Arrête, j'ai dit arrête. Mec, je crois qu'il te reste que 5 minutes 48 hein. Oh putain. Coucou. Pour moi, c'est 1-5. Dans ce cas-là, j'ai deux chiffres. Il y en a combien? 4. Déjà, il y a un 1 et un 5. Les deux premiers chiffres, je les ai. Après, est-ce que c'est les bons premiers chiffres? Je sais pas. Putain, mais 1-5, il y a plein de chiffres par terre. Attends, mais qu'est-ce qu'il a dans sa salle exactement? Je peux essayer de l'aider, au pire, je peux être gentil, non? Ah, frérot! T'as un truc, je crois, je vois dans la bassine plein de sang, il y a une genre de clé. Quoi? Il va y aller. Il y a pas de clé. Ah merde, j'ai mal vu, je vois pas très bien d'ici.
J'ai cru. On va voir après. Non, il a l'air aigri de ouf là. Mais gros, mais il y a du morse. On va je vais retester les CD, mais je suis sûr que ça marche pas. Ouais, ça mérite un coup de jus, je suis désolé. T'as monté un peu ? 19. 20. T'es un bâtard, t'as vu comment t'es ? Ok, 20. Les CD, c'est pas ça. Il y a forcément un truc caché dans les yeux. Ah, ça dégoûte. Pour moi, il y a un 5 parce que la montre, c'est forcément des chiffres. C'est un 5, mais dans ce cas-là, il me manque deux chiffres. Il y a forcément un truc avec le morse, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? 2, 4, 3. Les gars, c'est encadré, bien évidemment. On a testé avant, on s'est renseigné, il n'y a rien de dangereux. On l'a pris. Déjà, c'est pour les chiens, les gars. Ne prenez pas ça à vos chiens, c'est dégueulasse, c'est horrible. Et c'est juste, ça va jusqu'à 100. Et ça, c'est 20, c'est le max qu'on peut faire. Après, sinon, ça peut être pas dangereux, mais ça peut lui faire mal, quoi. Là, juste, ça lui fait un peu mal, mais voilà. Faites pas ça chez vous, c'est nul. Tu pourras le tester après, du coup, avant. Ouais, bah oui, oui, mais j'ai déjà fait dans la vidéo. Oh, c'est fort de fou, la vie de ma mère, c'est des malades. Ah, je me rends. Frérot, je suis désolé, mais. Arrête! Non! Oh non, il me fait trop de la peine! T'es mort? Oui. Du coup, je peux venir dans ta pièce? Mais oui, je suis mort! Je suis mort! Y'a personne. Y'a personne. Je vais arriver dans le truc, j'ai fait non! En plus, j'ai vu que t'as enchaîné, il me rend me tuer ou quoi là? Ça va, t'as kiffé? Ça va, mon frère? C'était impossible à trouver. Eh ben, vas-y, on se retrouve à la prochaine. J'ai testé fois. Tous les CD, y'en avait aucun qui marchait. Le cœur est rouge, en ouvrant la porte, j'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. Troisième porte. Et là, c'est dark un peu, là. Là, l'ambiance, elle a changé déjà. Il n'y a plus de lumière, il n'y a qu'une light. Ça me fait très peur, je stresse déjà. Ça me fait un peu peur. On fait comment pour choisir, là? Je choisis, tu choisis. C'est quoi, je te laisse choisir. C'est comme ça, si j'ai la mauvaise, je t'en voudrais à toi. Ok, je prends la rouge. Je sais pas pourquoi, la tienne, je la sens bien. Les gars, abonnez-vous avant qu'on ouvre, quand même, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon, t'as fait? C'est bon, vous avez fait. Le petit like aussi, le petit like aussi. C'est bon. C'est bon ou pas? C'est bon? Vous êtes abonné à Timot aussi sur YouTube, c'est bon? Je le sens pas, moi je le sens pas. Arrête gros, tu m'as coupé dans mon élan, j'ai plus envie. 1, 2, 3. Inconnu. Frérot, regarde ce que j'ai. Oh mais moi je vais faire une petite activité où je vais faire une citrouille. Ouais. Et moi c'est quoi moi? Allez, j'ai la bonne porte, je crois. Hey, écoute-moi bien, mets tout ça là. Bouge, allez, débarque-toi là. Ouais, frérot, calme-toi. Oh, oh, bouge pas, je te jure, j'ai un plaque. Je te tire plus, mec. Enfin, petite... Allez, on va s'amuser un petit peu. Comment qu'on fait pour faire des citrouilles, déjà? Je m'en souviens plus. Tu me prends pour qui? Je suis un malade, moi. Donc, mets ton putain de casque, là. Maintenant, tu vas me suivre. Suis-moi, là. Lâche ça, là. Les mains en l'air, là. Allez, suis-moi, là. T'es con, quoi? La porte, elle est où, là? Regardez monsieur mes mains comme ça on dirait je fais ouh. Ouais déjà tu commences à me bouvoyer, ok? Pardon, oh putain j'ai failli toucher votre arme. Allez c'est parti, moi je suis super dur. C'est comme ça qu'on fait des citrouilles. Enlève tes belles Jordan mon ref, enlève les, t'inquiète. Je vais pas te les voler, juste. Ça a l'air d'être un vol quand même. Non t'inquiète. C'est cher quand même. T'inquiète. C'est pas du tout un vol mon ref. Tiens regarde, des belles paires, voilà. Là mec, tu sais ce que c'est là? C'est des tongs. Lève tout quoi? Quoi? Non mais tu prends pas juste pour un petit con quoi. Ça pue la citrouille! Je crois que je lui ai porté l'œil quand j'ai dit ouais, ta porte, je la sens bien de fou. Je crois que je lui ai porté l'œil et dans ce cas-là, ça fait plaisir. Allez, on y va. Et à toi! Quoi? Dis-moi un petit mot d'amour là, vite fait. Là. T'es beau? Allez, avance. Je fais quoi? Je fais une citrouille méchant, pas méchant? Je pense que je vais en faire une méchante. Eh! Hey, je suis trop content! Je suis choqué! J'ai jamais fait ça de ma life! J'ai l'impression qu'à côté, il commence à se faire malmener par un malfaiteur. Tu vas monter dans la petite voiture, lève ta petite pépine là! Ta petite pépine, voilà là! Lève! Regarde, je lui ai mis quoi dans les oreilles? Un petit Queen, voilà! En vrai, faut qu'il se détende quand même, ça fait plaisir! Vous aimez bien Queen? Ça t'aime bien Queen? Et la bouche, elle aura pas de dents! Merde! C'est pas grave. C'est bon, t'es bien. Je t'entends pas, gros con. J'ai oublié à chaque fois. Eh, par contre, je suis pas un gros con là. La voiture, je suis pas un gros con, je suis un gros con. Non. Oh là, mon pote. Oh là. Écoute-moi bien, je vais te taper sur l'épaule et je vais te laisser ici tout seul. Mais on est où? Comme un petit grand. Bah, tu verras. Je te tape sur l'épaule, t'attends 20 secondes et tu verras bien. C'est horrible, je sais pas, je suis où, c'est horrible. Ah, je sens des présences. Ah, je suis trop mal, la vie de ma mère, je suis archi mal. Ah. Bon, les dents, on va les mettre comme as. Hop, on fait genre, il y en a. Oh, bordel. Oh, c'est horrible. Je suis où, là? Oh, c'est atroce, les bâtards. Je suis en pleine forêt. Oh, c'est la pire des choses. J'ai le flash devant moi, en plus, je ne vois absolument rien. Oh, c'est atroce. Je déteste être en forêt. Et là, il y a l'autre Timoud qui est en train de faire une citrouille archi stylée. Et moi, je suis là tout seul. Et voilà. Eh oui. Elle est pas belle? Ah oui, elle est magnifique. Elle est incroyable, je vais l'embrasser.
C'est atroce, je déteste. Oh, je me chie dessus, je me sens pas bien. C'est la pire des choses pour moi, les gars. Vraiment, je déteste être tout seul, dans le noir, en forêt. Oh, j'entends des bruits bizarres. En plus, dans les forêts, les gars, il y a toujours des bruits bizarres. Il y a toujours des trucs qui se passent, de toute façon. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est horrible. Vraiment, je deviens fou. S'il vous plaît, s'il y a un truc, un happening maintenant, pas plus tard. Bon, je pense qu'il faut éteindre les lumières. C'est la première fois que je fais ça. Et en vrai, pour une première fois, je trouve que c'est pas mal. Anthony, viens voir mon œuvre d'art. Bah je crois qu'il l'a emmené au cimetière. C'est bon, on a les séquences, on peut partir. Oh, c'est bon, stop. Ça fait combien de temps que je suis là? Combien de temps pour vous? Ça passe peut-être lentement, mais pour moi c'est... Enfin vite, mais pour moi c'est hyper long. Je te vois, c'est qui? C'est horrible. C'est bon, franchement limite à côté tu me fais pas peur maintenant. Je suis rassuré de te voir. Mec, t'es resté 10 minutes tout seul et je dois te faire un aveu en vrai. Mais non, c'était toi. C'était moi. Je me sens deck. C'est horrible, la vie de ma mère c'est atroce. Tu sais que vraiment, je le jure que premier degré, avec la prod, on hésitait vraiment à venir te chercher parce que t'étais genre, tu paraissais angoissé de fou. C'est la pire des choses vraiment, la vie de ma mère c'est la pire des choses vraiment. Y a que moi qui ai hésité à venir aller le chercher avant le timer. Je vous jure qu'au début vraiment j'étais en mode bon bah en fait l'happening est pas ouf. Et vraiment d'un coup c'est venu en mode je me suis senti trop mal. J'avais l'impression que j'entendais des trucs de partout. Vraiment, c'était horrible. C'est la pire des choses. Franchement, faut le refaire en vidéo, mais en plus hard. C'est la pire des choses qu'on peut me faire. En fait, c'est 24 heures d'acheter un arbre dans une forêt. Ouais. Combien de pouces veux pour ça? 20 000. Les gars, 20 000. Vous le faites facile, les gars, s'il vous plaît. Je veux voir ça vraiment. Sur son trône, c'est à vendre évidemment 50 000 euros parce que c'est fait par mes mains. On peut même retirer le crâne sur, comme tout, sur toutes les. Le cœur est rouge, en ouvrant la porte, j'avais deux choix, je crois que j'ai fait le bon. Frérot, dernière porte. Je suis content, alors j'ai eu la bonne. Je sais pas du tout ce qui t'est arrivé. Mais j'étais tout seul dans la forêt, pendant 10 minutes, avec une lac devant moi, donc je voyais rien ce qui se passait devant moi. Je commençais à devenir fou, je voyais des trucs, des gens qui couraient autour de moi. C'était horrible, mec. Moi, j'ai fait ma petite citrouille. J'ai encore le cœur qui bat en y repensant. Ah ouais? Ta citrouille, d'ailleurs, je l'ai pas encore vu, mais j'espère que tu t'es appliqué. En vrai, c'est la première fois que j'ai fait ça de mon life. Et je trouve, en vrai, j'ai d'être ça. Une note dans les commentaires. Dernière porte, je prends la rouge. C'est quoi, je suis à côté de la rouge, je prends la rouge. Tout à l'heure, j'ai chié sur la rouge. À mon avis, du coup, là, je vais pas chier sur la rouge. Okay, t'es prêt? 1, 2, c'est quoi cette ambiance? Enterrement de vie de garçon. Moi j'ai juste enterrement, frérot. Oh! EVG. Oh, l'ambiance morbide, elle est folle. Mais attends, il y a de la terre. Non mais c'est quoi, frérot, ce délire là? Déjà je vais sauter pour aller dedans. Attends, mais déjà moi, je suis trop bien. Enterrement de vie de garçon, ça veut dire que généralement ça, franchement, c'est un truc vraiment pas mal. Parce que souvent on s'amuse, des petits ballons et tout. C'est quoi ce délire là? Enterrement de vie de garçon. Mais attends, mais je vais faire quoi moi? On fait quoi là? Oh. Beer pong. Vas-y. Je suis bon, beer pong en plus. Vas-y. Je pense que tu dois juste faire une petite sieste ou te reposer un peu. Je pense que c'est ça le défi. Ok, bah je vais dedans. C'est bien? Oh mon dieu, c'est angoissant de... Oh non les gars, c'est angoissant de ouf. Qu'est-ce qu'il fout lui? Qu'est-ce que tu fais mec? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Attends, mais ça c'est gore. Qu'est-ce qu'il fout le mec? Oh! Quel gros! Mais c'est quoi ce délire? Mais pourquoi tu s'éclates, Lode? Oh! Wesh! Wesh, wesh! Timon! Non! C'est horrible! C'est angoissant de ouf! Wesh! C'est horrible! Hé hey, les gars, est-ce qu'on s'en va pas les couilles? Ouais! 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 Il est en train de s'amuser comme un fou, moi je suis... Wesh, c'est angoissant de ouf, c'est sale mourir. C'est horrible, wesh. C'est atroce, moi je suis pas bien là, c'est horrible les gars. Ils sont en train de s'amuser comme des fous. Les gars, je compte sur vous, abonnez-vous à cette chaîne. Oh, l'ambiance est hyper bizarre les gars, quand tout se recouvre en haut. C'est horrible. Les gars, je suis pas mort, hein. Vous pouvez me sortir d'ici? Sortez-moi de là. Et on te dit, ta gueule. C'est normal que je respire pas super bien à l'intérieur? Ah, c'est trop bizarre. Ah, il y a de la buée qui se crée, regardez. Ah, c'est hyper glauque. Ah, je te jure, je respire mal. Ouais, oh non, il n'y a plus rien là. On est en train de mettre là-bas. Oh, c'est une dinguerie. C'est le truc le plus angoissant que j'ai fait de ma vie en fait. Je me dis que ça va arriver un jour. C'est horrible. C'est atroce, vous ne voyez plus rien actuellement. Wesh! Les gars! Timon! Ils sont en train de fêter sa... Ils sont en train de fêter ma mort ou quoi là? Hé, hey, les gars! Anthony, ferme-la! Anthony, ferme-la! Anthony, ferme-la! Anthony, ferme-la! Hé, mon gars, je passe la meilleure soirée de ma vie!
Ça va, Anthony? Sortez-moi, c'est dans vous, c'est la... C'est la pire des choses. Les gars! Oh! Tu veux qu'on te sorte de là? Ouais. Non! On dirait un mort vivant, frérot. T'as bien dormi? C'est horrible. Les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci, frérot, d'être venu. C'était. Ça fait trop plaisir, franchement. Quand tu veux les tournages comme ça, c'est quand tu veux. La fin était pas folle pour moi. Ah, ouais, les deux dernières parts. Abonnez-vous, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Timoultz. Et on se dit au revoir. Au revoir. Bisous, les frérots. Ciao, ciao. Je suis mort.